Dans le cadre de notre segment « Faites la différence », le message est lancé. Soutenons les personnels scolaires en grève pour que l'éducation redevienne possible. Ce message-là, il est lancé par une centaine de co-signataires, dont Simon Vivier, qui est professeur titulaire à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Il est avec nous. Monsieur Vivier, bonjour. Bonjour, Monsieur Guérin. Vous commencez votre lettre en disant « L'impossible, nul n'est tenu. L'impossible, c'est ce qu'on demande au personnel scolaire présentement. » Bien, essentiellement, ce qu'on a voulu faire, c'est de témoigner justement des conditions qui sont extrêmement difficiles en ce moment pour l'ensemble des personnels scolaires. On pense aux enseignants, aux professionnels, aux personnels de soutien, mais aussi aux directions. Puis effectivement, ce qu'on a pu documenter dans les dernières années, dans différentes recherches, c'est la difficulté pour l'ensemble de ces personnels-là de réaliser leur travail, de réaliser un travail de qualité à leurs propres yeux, et donc d'atteindre la mission scolaire qui leur est confiée d'une certaine manière, d'où le titre de notre lettre ouverte. Et donc, quand on est débordé, qu'on a l'impression qu'on n'est pas capable de faire le travail qu'on pourrait faire avec des meilleurs moyens, on devient démotivé, parfois même totalement épuisé. Oui, tout à fait. Il y a une enquête de l'INSPQ là, dont le rapport devrait sortir sous peu, mais certaines données qui sont sorties, il y a 60 % de l'ensemble du personnel scolaire qui a un niveau élevé de détresse psychologique, ce qui est jamais vu. C'est ce qu'on dit dans notre lettre. Et les facteurs sont connus. Vous venez de le mentionner, la question de la surcharge de travail, les difficultés d'obtenir de la reconnaissance également, l'autonomie professionnelle. Donc, sachant cela, sachant également les conséquences que ces mauvaises conditions de travail-là ont sur le réseau, parce qu'il y a des enseignants qui quittent, il y a des professionnels, on le voyait encore aujourd'hui dans la presse, des professionnels qui quittent. Sachant ces conséquences-là, ben, ce qu'on dit, c'est ben voilà une négociation où c'est l'occasion d'améliorer significativement tant les conditions d'exercice du travail que les conditions d'emploi des personnels scolaires, de telle sorte que les enseignants, les enseignantes et l'ensemble des personnels puissent faire bien leur travail puis avoir la reconnaissance qu'ils doivent obtenir. Ouais, donc ça peut être un point tournant dans le monde de l'éducation et vous connaissez ça pas mal plus que nous, M. Vivier. Essentiellement, vous allez sur les mêmes points que vont les professeurs. Des meilleurs salaires pour en attirer davantage. Également, la composition des classes, on l'entend souvent, celle-là, la composition des classes qui fait en sorte que les professeurs ne sont pas capables de faire le travail. Exactement, la composition des classes, mais aussi les ressources qui viennent avec les classes en question. Parce que on peut bien, effectivement, c'est totalement louable, souhaitable. La recherche montre que effectivement, il y a des bénéfices à ce qu'on ait des classes qui sont inclusives. Mais encore faut-il y mettre les ressources. Or, dans l'état actuel des choses, et depuis qu'on a intégré davantage d'élèves en difficulté avec des difficultés particulières dans les classes régulières, puis bon, il y a tout l'effet aussi de l'école à trois vitesses, etc., mais ça fait en sorte que la composition des classes est très difficile à gérer pour les enseignantes et les enseignants. Mais donc, il faut pouvoir mettre les ressources professionnelles et de soutien pour que les enseignants arrivent à enseigner à l'ensemble des jeunes. Donc, autant aux élèves en difficulté que ceux qui ont moins de difficultés, qui des fois passent sous le radar dans l'état actuel des choses. Il ne faut pas se le cacher, là, le problème n'est pas né hier ou la semaine passée ou il y a un an. C'est un problème qui relève de décennies probablement de sous-investissement. Mais le ministre veut donner un coup de barre, le ministre Drainville, il a présenté un gros projet sur l'éducation, mais ça, vous dites que c'est pas vraiment efficace. Bien, c'est un projet, dans le fond, que on a été certainement 200, si c'est pas plus, chercheurs en éducation, où on a dit que c'est pas la bonne solution et ça risque de créer ou d'accentuer des problèmes déjà existants plus que d'en régler. Essentiellement, c'est un projet qui est sorti de nulle part. Et donc, c'est une des choses qu'on dénonce dans la lettre, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de mesures qui sont prises au fil des années pour essayer de régler les problèmes, mais c'est géré de manière en silo. Donc, ça prend une vue d'ensemble, d'une part. Et là, on a l'occasion, avec la négociation, d'améliorer notamment l'autonomie professionnelle. Et ça, c'est un des points qui a été largement critiqué avec le projet de loi qui est sur la table en ce moment. C'est-à-dire que plutôt que de dire aux enseignants, on va vous dire ce que vous devez faire, comment vous devez pratiquer, comment vous devez gérer votre classe, bien, on devrait plutôt leur donner davantage d'autonomie pour qu'ils puissent eux-mêmes, ce sont les experts de la classe, pour qu'ils puissent eux-mêmes faire bien leur travail.
Souhaitons en tout cas qu'on saisisse l'occasion pour donner un coup de barre et redonner au monde de l'éducation tout l'amour qu'il mérite. Monsieur Vivier, merci beaucoup pour avoir défendu votre point de vue ce matin. Merci à vous. Au plaisir. Au revoir.